Philippe Ternizien, au départ du Quintet avec Voyageuse, une voyageuse qui a un peu de mal à se mettre en évidence cette année. Que se passe-t-il pour elle? Dimanche hier, avant-hier, un bac Villanco là sur l'herbe, corde à gauche, elle est plus droitière. Elle a bien couru, on est 25 mètres, on était très loin des chevaux de tête, elle a ramené tout le monde, elle est revenue dans le dos du cheval de tête, puis elle a fait une faute dans le dernier virage. Elle perd un peu de temps, elle revient cinquième, elle court comme une gagnante, quoi. Elle aurait pu gagner au Touquet l'avant-dernière fois, c'est pareil, elle était septième, elle courait bien, la mauvais parcours, mais on est tous ensemble, donc c'était bien. Après, la fois d'avant à Cabourg, c'était pas... C'était non fautif, pareil, pilé un peu sur le fil, faut faire attention à la peur de l'élastique, donc elle a perdu, elle s'est pas retrouvée bien placée, elle s'est fait bousculer, parcours de merde après la faute, mais enfin, excusable. Et puis sinon, entre-temps, après le Touquet, 8 jours après, Arco à Saint-Pierre-sur-Dive, il pleuvait pendant la course, enfin c'était gras, elle était bien là dans un dos, et puis bon, elle est battue par des bombées, là, Pierre Lévesque, Tony Le Belair qui gagnait. Mais elle faisait sa course, là, après une course comme ça, là, c'est sa catégorie, elle est bien, c'est pour ça que je l'ai mise. Mais physiquement, il ne faut pas la juger sur ce qu'elle vient de montrer, ses résultats bruts, si on vous écoute. Il faut pas la juger sur ce qu'elle vient de montrer, sur ses résultats bruts, a priori, si on vous écoute. Déférée, elle a du pied, là, elle est prête, du coup, elle a couru là, lundi pour vendredi, elle avait couru Saint-Pierre-sur-Dive sur le Grand, au Touquet, c'était bien. Non, elle est pas mal, hein, elle aurait pu gagner là, une fois ou deux, là, puis elle est 7-5, quoi, mais... Elle pourrait passer même les 60 des gains là, pour partir en tête. C'est à mettre. Hein. Il y a des 6 ans à affronter, il y a quelques étrangers, des 6 ans également à affronter. Vous la pensez compétitive? Ouais, peut-être qu'on va être débordé, ouais, c'est possible que. Mais c'est une jument qui est un peu caractérielle, qui est très nerveuse, qui trotte, qui est capable de faire des trucs dans ses bons jours. Mais elle est tout le temps un peu en chaleur. Bon, alors on la court là. Tout ce qui vient comme ça, là où je vais, là j'essaye de la mettre. Alors, on est souvent surpris par le coup, là. Mais là je vois dimanche, elle était dans ses bons jours, elle a vraiment fait un rapproché, là. Si elle a prévu, je sais pas, dans le dernier virage, là, corde à gauche, je sais pas trop pourquoi elle fait la faute, là. Et, elle perd 20 mètres, quoi. Elle se relance, elle revient en cinquième, là. C'était. Il y avait je suis à la Pierre Coignard, là, Amigo, là, je sais plus trop là, comment il s'appelle, là, oh, là. Mais elle vient leur doubler, quoi. Elle aurait été un bon parcours si on était vraiment loin des premiers, comme si on avait rendu 50 mètres, mais elle aurait pu gagner, quoi. Donc, vendredi, vendredi, elle peut prendre un chèque si on vous écoute Ah, bah, oui, on y va pour